La caméra de surveillance a tout capté. Coin Benoît et chemin Chambly à Longueuil, le feu est au vert pour cet automobiliste que vous allez voir. Il allait tourner à droite. Les images sont troublantes. Au ralenti, on peut voir l'arrière de la camionnette littéralement soulevée de terre lors de l'impact. Une roue se détache, puis les deux véhicules se retrouvent une quinzaine de mètres plus loin. Le conducteur de la voiture, un homme d'une trentaine d'années, a perdu la vie. Moi, au début, je croyais que la personne qui était encore dans le véhicule était passager, mais c'était bien le conducteur qui était carrément rendu dans l'espace passager, donc un impact quand même assez fort. Le conducteur de la camionnette, David Pelletier, 19 ans, a d'abord fui les lieux. Il est revenu sur place 4 heures après l'accident. Il est accusé de conduite dangereuse ayant causé la mort et d'avoir fui les lieux tout de suite après l'accident. Si ça n'aurait pas été à ce coin de rue-là, ça aurait été un autre ou un autre. Mathieu Jubinville était dans la camionnette avec un ami quelques minutes avant l'impact. Il connaît le conducteur, David Pelletier. C'était même pas en fou. C'était genre, moi, je passe à rouge, je regarde pas à gauche puis à droite. Là. S'il y a du monde qui vient, mais on meurt. Là. Fait que là, t'es là dans un auto avec quelqu'un, je disais, ben, je peux pas ouvrir la porte et me sacrer en bas. Là. Mathieu a réussi à convaincre le conducteur de le laisser descendre, puis l'accident s'est produit dans les instants qui ont suivi. Le gars était vraiment dangereux, le gars. J'ai embarqué avec bien des jeunes fous, mais lui, il m'a fait peur. Là. J'ai eu peur de mourir. Là. Puis tu sais, ce qui me fait... Il était nulle part. Non, il n'y a aucun stop. Lui, c'était pédale dans le fond. Pédale dans le fond. Sur un... Quelle vitesse sur Chambly? Ben, je peux dire que j'ai atteint à peu près 120-140 sur Chambly. David Pelletier a comparu un après-midi au palais de justice de Longueuil pour cet accident avec délit de fuite ayant causé la mort qui s'est produit ici derrière moi. Il demeure incarcéré. Il devra revenir devant la justice pour déterminer les modalités de sa libération, le temps des procédures judiciaires. Denis Thériault, TVA, Longueuil.